voter pour le changement dans mon pays. Je veux vivre en paix, pas de guerre. Je veux l'eau, le courant. Je veux la paix. Je veux rien que la paix. Je veux que les routes, il n'y a pas de routes dans mon pays. Je veux les routes dans n'importe quel village du pays. Je veux vivre en paix, l'eau, le courant, n'importe quoi. On ne veut pas la guerre. On veut la paix. On ne veut pas exploiter les biens de notre pays pour amener ça ailleurs. Mais c'est ce que je veux. Et j'attends le président de la République ici au Carrefour. Je suis aussi le président de la République. Power! 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 Power!
Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ici à Obala aujourd'hui, nous ne sommes pas en campagne contre quelqu'un. Nous ne sommes pas en train de libérer ce pays pour enfermer d'autres. Nous sommes en train de remettre ce pays entre les mains de ceux qui sont les véritables propriétaires, c'est-à-dire nous. Quand je dis que ce pays appartient à la jeunesse, on me dit, tu vas faire comment, ils sont trop nombreux. Je dis, je préfère qu'on partage ce qu'on a. Entre beaucoup, plutôt que de ne rien faire et laisser le peu de gens qui sont yaoundés tout bouffer. N'est-ce pas? Donc, on me dit qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. Je dis que ce n'est pas le travail qui manque. C'est le refus, c'est la mauvaise foi, c'est le fait que certains pensent que d'autres sont venus les accompagner. Et la jeunesse dit non. Il y aura travail et il y aura du travail pour tous. Ce n'est pas le pays des uns, mais c'est le pays qui appartient à tous les Camerounais. Et ce n'est pas de n'importe quel travail qu'il s'agit. Le 7 octobre, les Camerounais ont décidé, la chefferie traditionnelle de la Véca a décidé, la jeunesse a décidé que je serai président de la République. Je serai aussi comme président de la République, mettra la jeunesse au centre de ses préoccupations, au centre de sa politique, au centre de l'économie camerounaise, parce que si la jeunesse va mal, le pays va mal. Je suis aussi président. Au bout de 5 ans, il n'y aura aucun Camerounais, aucune Camerounaise qui gagnera moins de 160 000 euros. Quand ils ont 1 000 milliards, ils ont pris l'argent là. S'il y a un gouvernement qui ne veut pas, il y aura l'argent pour la jeunesse. Pour l'enveloppe de la 8, il ne faut pas voter le 7. Et il ne faut pas finir le 7. Rendez-vous au portail.